Weedy song, feed the love, feed the fire, weedy fire, weedy fire, sigh, I am, weedy fire. Ça y est, vous êtes arrivé. Je vais même vous dire, vous êtes arrivé depuis une semaine, pour être précis. Nom d'un petit bonhomme. Nous allons donc considérer que vous êtes installé, on va voir ensemble où et sous quelles conditions. Vous êtes installé, vous avez cherché un travail, on va affiner ensemble qui, quand, quoi, comment, où. Cette première semaine se sera passée plus à prendre vos marques que à faire des enquêtes malvenues et à questionner des gens sur tout et sur rien. Ce qui serait très suspect. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que Altea cherchait à se faire engager chez les herboristes et alchimistes de la ville en mode je fournis des matières premières. Oui, je sais ça. Est-ce que travailler dans le quartier des temples te va? Ça semble bien. Parce que on l'avait vu ensemble, il y a beaucoup d'érudits qui traînent là-bas. Il y a beaucoup d'artisans qui ont rapport avec tout ce genre de trucs d'érudits bizarres, etc. Et il y a des herboristes, il y a des alchimistes, il y a même bien plus que ça. Mais ça fait partie des endroits où, effectivement, tu peux trouver matière à refiler les herbes et les éléments minéraux que tu irais ramasser dehors. Okay. Est-ce que tu préfères avoir un taf près d'un endroit précis dans le quartier des temples ou pas du tout, tu t'en fous? L'idée, c'est aussi d'arriver à repérer si éventuellement notre petite dame irait pas faire ses coursinettes de temps en temps chez un ou l'autre alchimiste ou vendeur de matières premières. Donc, ceux qui ont l'air bien fournis, enfin, qui ont l'air d'avoir. Je sais pas s'il y a moyen de repérer un petit peu. Alors, c'est pas tant ça la question. C'est pas tant ça la question que est-ce que tu préférerais avoir un travail près d'un temple en particulier, en périphérie, en plein milieu? Tu vois, c'est plus ça ma question. Parce qu'après, les échoppes se valent toutes plus ou moins, il n'y a pas de différence flagrante. Mais si tu bosses à côté d'un point précis, je serais plus à même de te donner des infos sur ce point précis et moins à même de te donner des infos sur le point qui est à l'autre bout du quartier, quoi. Donc t'as un petit choix stratégique à faire sur où tu bosses. Il n'y en avait pas un qui avait un rapport avec tout ce qui était connaissance, apprentissage et compagnie dans les temples? Je suis sûr qu'en lisant les mots qu'il y a sur la carte, il y en a un qui va peut-être te sauter aux yeux. Oui, le dé a priori. A priori, le dé c'est le temple de Doella et juste à côté c'est la cour des savants. Donc c'est effectivement on va là que traînent tous les plus cultivés. On va dire, des personnes qui doivent vivre dans cette cité. Ok. On va traîner par là, ça va me changer. Des gens qui savent des trucs. Pour information, le point d'intérêt numéro 7, qui est donc juste à côté de là où tu bosses, c'est ce qu'on appelle une majora, c'est-à-dire que c'est une école. Voilà, donc c'est une école qui n'est pas une école publique, donc il faut payer pour y suivre des cours. Mais il y a plein de gens qui payent pour apprendre des trucs, il y a plein de professeurs qui donnent des cours, enfin c'est un lieu hautement culturel et peuplé de plein d'érudits. Jamais je rentre à Ament. Ben écoute, c'est un peu la question que je vous poserai au bout d'un moment, mais... Oui. Donc, nous t'écoutons. Oui, je disais donc qu'il serait intéressant d'avoir un travail en...
nous laissant un petit peu de temps libre de façon à pouvoir vaquer à des occupations secondaires non officielles, le cas échéant. Ne pensez-vous pas, cher compère ? Je suis d'accord. Mais du coup, ça n'a pas trop avec ce que j'avais en tête. Mais je sais même pas si ce que j'avais en tête, c'était possible. Mais comme j'en ai pas parlé, et que ça me vient de... Et comme je ne suis pas dans ta tête... Non, en fait, moi, ma question, c'était... est-ce que la garde de la ville, on peut l'intégrer facilement ou pas ? En sens, je veux être une recrue de la garde et... Alors, oui. Le mec qui répond oui, il se casse. Oui, pourquoi ? Parce que c'est de notoriété publique que la garde recrute en ce moment, qu'elle recrute beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une centaine de recrues qui sont formées actuellement dans la garnison principale de la ville. C'est une idée qui est intéressante. Par contre, les recrues vont et viennent pas comme elles veulent. C'est ce que voilà, je donc voulais savoir. L'inconvénient, ça va être le côté un poil surveillé, c'est-à-dire que tu vas être très occupé. Par contre, en termes de possibilité de ramasser des infos, ouais, c'est ça. C'est quand même pas con. Donc voilà, je vous laisse méditer sur l'idée. Mais est-ce que ce serait pas un prix intéressant à payer, en fait ? Bah, moi, je pense que si, justement. Qu'est-ce que tu en penses, Altea ? Comme tu peux être deux jours. Que c'est une bonne idée. Et c'est pas parce que l'un d'entre nous est à temps plein qu'on est tous obligés de faire la même chose. Hein. Tout à fait. Ok. Bah, du coup, moi, c'est ce que j'aimerais essayer de faire, en tout cas. Ok. Je le note dans un coin de ma tête. Si on garde la couverture frère-sœur des personnages, par exemple, ça nous donne aussi l'occasion de communiquer tous les soirs... Ouais, en plus. Et c'était facile comme ça de faire sortir les infos. Voire même tu peux passer de temps en temps le voir si jamais il y a un truc urgent à lui faire savoir, ce sera pas choquant puisque s'il est de notoriété publique côté sa sœur, c'est pas un problème. Oui, et puis si ça se trouve par coup de chance, je serai dans la garnison qui sera près des temples, tu vois. Alors, si ça peut vous aider dans votre réflexion, ne soyez pas inquiet par le côté... communiquer dans la caserne en fait les recrues elles y dorment, elles y mangent, c'est pas un souci. Par contre, leur formation n'est pas cloisonnée dans la caserne, c'est à dire que les recrues vous en croisez en ville, en fait on leur apprend à patrouiller. Vous voyez, ils sont à côté de soldats confirmés, mais voilà, ils sont pas, tu vas pas être enfermé dans la caserne à double tour à pas pouvoir rien faire et à devoir faire le mur pour te casser, quoi. Voilà. C'est relativement libre, c'est pas une prison. Du coup, ça ferait que Altea prendrait un métier à mi-temps, quoi. Ouais, ça sera plus simple. Ok. Comme donc, ça, j'irai traîner dans les librairies l'après-midi. Tu n'as pas trouvé un travail, tu as trouvé plein de petits travails. C'est-à-dire que puisque tu vas chercher des matières premières hors de la ville, où tu verras dans d'autres endroits dont nous parlerons, il y a plusieurs herboristeries, il y a plusieurs alchimistes qui sont prêts à acheter des trucs. Donc t'es plutôt allé vendre tes services de fournisseuse, un peu à gauche, un peu à droite, et t'es pas la seule à faire ça, hein, les artisans qui ont leur échoppe dans le quartier des temples s'approvisionnent auprès de plein de gens, t'es juste une nouvelle, et ils vont attendre de voir quelle quantité tu ramènes, quel prix tu fais... pour faire plus ou moins appel à toi, etc. Il n'y a pas de demande fantasque, hein. C'est des produits très classiques, c'est des plantes très classiques, il n'y a rien de très surprenant là-dedans. À moins que Royce ait des questions complémentaires, je partirai du principe qu'en route pour la garde. Ouais. Okay. Juste une question. On est d'accord que le laboratoire de la madame qu'on n'aime pas, ouais, Lucia. J'ai pas oublié le nom, Lucia. On sait pas où il est, mais on sait qu'il est. On présume qu'il est à Cliffhall. Très probablement dans le quartier riche. C'est les seules. Je veux dire, c'est les seules infos qu'on a pour le moment. Ouais. Okay. Ouais. Et qui doit être assez discret parce que vu ce qu'elle y fait. Ouais. Voilà, il doit pas avoir pignon sur rue. Le quartier riche, pour ceux qui se poseraient la question éventuellement, c'est le truc qui est juste au nord du château.
qui s'appelle le carré blanc. Ok. Il n'est pas interdit aux moins de 18 ans, mais c'est l'endroit où on trouve toutes les belles villas avec des parcs, des murs autour, des grands grillages. Voilà, c'est là qu'il y a le fric, clairement. Ok. Alors, je termine toujours si j'ai bien suivi. William, lui, se dirigeait plus vers les quais, les docks, au sud de la ville. C'était une des propositions, oui. Tu as possibilité d'avoir un emploi au niveau des quais. Alors, il y a un responsable des quais, un bonhomme assez... je sais pas comment dire, on va dire remarquable, hein, dans le sens physique du terme. C'est un grand black qui doit faire 2m10, enfin vraiment une montagne quoi. Plutôt bedonnant, hein, c'est pas une montagne de muscles, c'est plus une montagne de graisse. Qui est plutôt autoritaire, plutôt respecté par tous les hommes sur lesquels il passe ses journées à crier. Qui est l'homme qui recrute, qui s'appelle Marmanus. Tu auras pu le croiser, tu auras même pu lui parler. Oui, il cherche toujours des mains, il cherche toujours des bras pour décharger marchandises et autres. Mais il a un besoin un peu plus spécifique en ce moment, si ça t'intéresse et si il s'avère que tu as les qualités pour. Il a perdu un contremaître. Ouais. Le mec qui dirige les hommes. Voilà, il cherche à remplacer assez rapidement, parce que ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, quelqu'un qui a des connaissances sur la gestion de cargaison, les relations avec les marins, leurs besoins, ce genre de choses-là, des dockers qui sont parfois bourrus et parfois compliqués. Ouais. Ben, est-ce ça que pourrait être intéressant. Voilà, tu peux assez largement lui vendre que c'est un boulot que tu as déjà fait, par exemple. Et il va te poser quelques questions sur comment tu gérerais tel cas de figure, tu vois, l'ordre de priorité quand on range les marchandises, ce genre de petits délires-là, pour vérifier que tu n'es pas juste un gros menteur. C'est quelque chose que tu as en mémoire, donc tu peux le convaincre si tu le souhaites. Le souhaites-tu ? Alors, je vais poser la question à mes camarades, justement. Si je ne suis que petite main sur les docks, je peux plus facilement m'éclipser, ne pas être là, voilà. Je crains qu'avec un individu décrit comme cela, si je me retrouve contre maître, en fait, je dois être disponible 25 heures sur 24 à peu près. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. Mais après, est-ce que tu ne seras pas amené à voir, je sais pas, plus de choses que tu ne le verrais en tant que petite main ? Ouais, parce qu'en tant que petite main, il y a des chances que je reste coincé sur les docks à bouger des caisses toute la journée, voire à pas d'heure de la journée. Et puis, je vais te contredire sur un point. Si tu es simple docker, tu vas avoir un contremaître sur le dos. Ouais. Et si tu ne viens pas au boulot, une fois, deux fois, t'as plus de boulot, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Je pense que... Non, j'aurais quand même pris la proposition, après. Au pire, si tu vois que le boulot te prend trop de temps, tu le quittes, hein. Oui. On n'est pas des esclaves, hein. On n'est pas des esclaves. Mais les temps sont durs, ma petite dame. Trouver un travail, c'est difficile. Non, ouais, je suis preneur. Je vous ai mis le joli portrait de Marmanus dans les PNJ. Aha. Que vous puissiez profiter de sa beauté. Pour l'instant, oui, c'est bon. Ah si, ça y est, c'est apparu. Je reconnais l'influence. C'est Je suis trop vieux pour ces conneries. C'est un mec qui vient des provinces du sud. Qui n'en parle pas souvent, qui bosse ici depuis des années, des années, des années. C'est pas un nouveau. Il a commencé docker, donc il connaît bien le métier. Et c'est une sommité dans le sud de la ville. C'est un mec qu'on fait pas chier. C'est un mec que les gens vont voir quand ils ont besoin de conseils. Tu vois, c'est un peu
le patriarche au niveau des quais, même un peu plus large que les quais d'ailleurs. Voilà, mais c'est quelqu'un qui, quand tu viens le voir, si tu veux, il prend pas une pause de 4 heures pour que tu l'expliques tes problèmes, quoi. Faut le déranger pour des bonnes raisons. Mais il prend soin de ses hommes, en fait. Il prend vraiment soin de ses hommes. Bien évidemment, tout ce qui travaille au dock dort en général dans le district des docks. Et quand tu postules pour cette place de contremaître, Marmanus te jauge un petit peu et te dit tu sais où dormir? Bah, j'avais bien une idée de trouver une place en auberge en ville, pas trop loin. Bon, tu vas te ruiner. Tu vas te ruiner. Enfin, sauf si tu comptes te barrer demain. Enfin, moi, j'engage pas un contremaître pour qu'il disparaisse, hein, donc je compte te garder. Non, ça veut dire je suis là pour faire mon trou. Faut que tu trouves une piole abordable. J'ai peut-être un plan pour toi. Faut voir si tu peux gérer ou pas. Ah. Mon contremaître qui est plus là. Il a laissé une veuve. Je dois gérer la veuve. Non, mais elle a plus d'argent et elle a une piole. Ah. Et, en gros, tu aides la veuve et t'as une piole. Tu vas dormir chez elle, tu veilles sur elle, tu lui donnes un petit quelque chose quand même pour la route. Mmh. Je t'assure qu'elle crève pas de faim et t'as une piole à côté des quais. Mais il est mort son mari ou c'est passé ouais. quoi Ouais, il est mort. En général, quand on est veuve, c'est ce qui se passe. Non, mais il s'est passé quoi? Tu entends toujours la petite voix d'Altea qui se moque de toi dans une bulle. Il y a une bulle au-dessus de toi. Elle est en manga et elle te fait des commentaires pendant les roleplays. Non, mais... C'est passé quoi? Je veux pas que ça t'effraie. Hein. On l'a retrouvé mort. Et du bout du menton, il t'indique un des entrepôts. On l'a retrouvé mort derrière l'entrepôt. Ah. Poignardé. Sans... Ça l'affaire. D'accord. D'accord. Bah écoute, ça peut être utile. Je veux bien aller la voir. Ok, mais je te donne l'adresse et montre-toi gentil. Ouais, on verra ce que j'arrive à faire. Et je le précise parce que c'est mieux, mais si j'apprends qu'il y a un souci, et il laisse la phrase en suspens. Il n'y a pas de souci avec moi. Je suis pas là pour créer des soucis. Je suis là pour les régler. Je m'en doutais. Bah écoute, tu te présenteras demain, je te montrerai son ancienne équipe qui va être la tienne. Et puis tu verras un peu comment on bosse ici. Ça marche. Bienvenue. Merci. Merci pour le job. Pendant que j'y pense, tu t'y connais en mécanisme ? En mécanisme ? Ouais, les C'est rouages, bien. Les trucs qui tournent. Un peu. Bon, bah tu auras une petite formation parce qu'il va falloir que tu apprennes à manier le canal. Oh, ça devrait aller. Mm-mm. Tu sais ce que ça veut dire, manier le canal? Pas plus que ça, mais j'apprends. D'accord. Il te prend par l'épaule, ce qu'il a pas de mal à faire vu qu'il te dépasse très largement, et il te pointe du doigt un espèce de pont qui est un peu au nord de là où vous êtes et qui traverse le canal. Mmh. Donc un pont, il y a des gens qui passent sur le pont, jusque là tout va très bien, sauf qu'en fait sous le pont il y a l'air d'y avoir une espèce d'énorme barrage avec des grosses ouvertures qui s'ouvrent et qui se ferment, des espèces de trappes. Et il t'explique en gros que c'est leur rôle, donc ça sera aussi ton rôle, d'arriver à manier les trappes pour accélérer ou arrêter le courant du canal pour faire en sorte que soit les bateaux rentrent plus facilement,
soit les bateaux sortent plus facilement. Donc, fonction des bateaux que tu vas attendre ou des bateaux qui auront tout déchargé et qui vont vouloir partir, il va falloir que tu arrives à actionner les rouages pour faciliter leur entrée et leur sortie en t'assurant qu'il n'y a pas un bateau qui veut rentrer pendant qu'il y en a un qui veut sortir, en gros. D'accord. Mais tu verras, c'est pas bien compliqué. Si t'es un peu joueur, tu vas adorer ça. Et il te laisse ta dernière journée de libre, en quelque sorte, vaquer à tes occupations. Et tu pourras loger chez la veuve, qui est une femme qui n'a rien de particulier à dire. Elle est évidemment triste, mais pas tant que ça, tu trouves. Toi, tu as vu des deuils, tu as vu des gens mourir. Tu as vu la tristesse et le chagrin, tu l'as vécu. C'est pas la veuve joyeuse, mais tu la trouves pas si atteinte que ça, très honnêtement. Elle le regrette peut-être pas tant que ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas un bon mari, va savoir. En tout cas, elle est d'un accueil très, très cordial et elle te montre une chambre d'amis qui sera la tienne. Elle a pas d'enfant. Elle sera un petit peu méfiante pendant les premiers temps parce qu'elle sait pas bien qui c'est qu'on lui jette entre les pattes. Mais au bout de la semaine qui se sera écoulée, tu as tes heures de sortie, tes heures de rentrée, tu fais le même travail que son ancien mari, donc elle est extrêmement formée, on va dire. Et elle va savoir faire disparaître ces vilaines taches de graisse que tu ramènes sur tes pantalons. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et te faire suffisamment à manger aux bonnes heures et savoir que parfois tu rentres tard. Ouais. Et voilà, une vraie petite femme. Je commence très tôt. Ouais. Exactement. Nous allons faire un petit point sur le recrutement de John. De John le garde. Tu aurais été te présenter au point d'intérêt numéro 3, qui s'appelle la commanderie. C'est un bâtiment gigantesque qui est tout en long. Qui est même tout en long et tout en creux, puisqu'en fait c'est une série de bâtiments qui encadrent une cour dans laquelle se produisent les entraînements militaires. Donc il y a tout un tas de gardes qui marchent au pas, qui courent, qui font des entraînements, qui tapent sur des mannequins, ou qui prennent du bon temps et qui discutent entre eux. C'est très actif, c'est très vivant, c'est très jeune aussi d'âge. Il y a peu de gens qui dépassent la cinquantaine, par exemple. Il y a plus des jeunes, on va dire, entre 18 pour les premières recrues et 30-35 pour les gardes un peu plus confirmés. T'as l'impression que c'est pas un métier qu'on fait jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. On le fait, on ramasse des sous et après on devient mercenaire, garde du corps, ce que tu veux, on se met à son compte, mais voilà. Il n'y a pas vraiment de vieux gardes qui auraient 50 balais et qui traînent dans le coin. Il y a un bureau de recrutement, évidemment, où des gens font la queue. Et on va examiner, alors pas tellement tes motivations, mais on va examiner tes mensurations. Ta force physique, ton endurance, ta rapidité. Cicatrice de guerre. tu n'es pas le dernier, clairement pas. C'est-à-dire qu'il y a dans les recrues, il y a beaucoup de petits jeunes qui n'en veulent, mais qui en fait n'ont absolument aucune expérience de rien, qui savent pas manier une épée, qui savent pas se mettre en garde, qui savent pas se positionner, donc. Tu arrives quand même à te faire suffisamment remarquer pour qu'on te propose d'intégrer la garde de la cité. Et d'avoir un bel uniforme noir et jaune. Yes. Avec l'aigle noir dessus. Tu vas donc te retrouver dans un dortoir. Ouais. Avec des gens plus jeunes que toi. Parce que t'es quand même le papy de la bande. Je le rappelle à chaque fois, mais t'es le plus vieux. Des gens plus jeunes que toi, ils sont tous issus de la cité par contre, t'es un peu le seul étranger qui intègre la garde. Ça les fait pas flipper, ça les inquiète pas, c'est juste pas très courant que quelqu'un débarque d'un village super loin pour intégrer la garde, quoi. Et tu peux, si tu veux,
te faire un peu remarquer, c'est-à-dire que comme tu as de l'expérience et que tu as l'âge, tu peux avoir moyen d'être le chef du dortoir, quoi, grosso modo, ou pas. Ok. Bonne question, si ça peut être intéressant ou pas, je ne sais pas. Vous êtes 6 avec toi. Donc t'as 5 ouais. jeunes garçons qui, si ça se trouve, peuvent t'admirer terriblement pour tes exploits guerriers. Ou pas. Ouais, bah on va gonfler un peu les muscles devant. Et... Ok. Il y a une vraie compétition entre les dortoirs. D'accord. C'est des bandes, hein, ni plus ni moins. Et c'est très encouragé par vos supérieurs, c'est-à-dire que lors des différents exercices, lors des différents entraînements, on vous note, on vous classe, on vous compare. Il y a un peu cette émulation de faire mieux que les autres, de faire mieux que le dortoir 6 ou que le dortoir 4, que le dortoir 2. Donc il y a vraiment cette petite cohésion qui peut-être malgré toi risque de naître avec ces jeunes gens qui essayent de bien faire, mieux faire en tout cas, et qui se serrent les coudes et qui se soutiennent. Je te ferai en off, hein, je te ferai une petite liste des imbéciles à qui tu dors. Super. En termes de liberté, c'est le plus contraignant pour toi. Alors, dormir là, c'est obligé. On peut demander des permissions pour sortir la nuit, parce qu'on veut aller s'amuser. C'est pas interdit. Il y a des quartiers chauds, comme on dit. En plus, ils sont pas super loin. À l'est de la ville, il y a un truc qui s'appelle le quartier noir. Ouais. Qui est pas très loin de la garnison. Et le quartier noir, c'est là qu'il y a tous les tripots, les maisons de jeu, les bordels. Voilà, c'est là que à peu près toute la ville va s'encanailler la nuit venue, et donc les gardes aussi, évidemment. Donc il est possible d'obtenir des permissions, on demande de les justifier, sauf que en fait tu comprends bien que tu peux dire un peu n'importe quoi, on va pas vérifier que tu mens ou que tu mens pas. On t'expliquera par contre que tu représentes le seigneur, le régent et le sénéchal, que donc quand tu es en ville, même quand tu es en permission, même quand t'es pas en uniforme, eh ben pas de bêtises, pas de bagarres, pas de vol, pas d'insultes, enfin voilà quoi, on se tient droit, et que tu as droit à 3 manquements, et au bout de 3 manquements on te mettra gentiment à la porte. Ok. Grosso modo, il y a, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne l'ont pas lu sur la page de la ville, il y a à peu près 1000 soldats en ville. Voilà, si jamais vous aviez la question, il y a 1 millier d'hommes qui s'occupent de la ville, il y en a 700 qui sont en garnison, dans toutes les petites garnisons que j'ai indiquées avec un petit symbole héraldique dessus. Il y en a une, je vais pas dire de conneries, il y en a une centaine qui garde les remparts, qui est un des postes les plus détestés dans la garde. Parce que faire le planton sur les remparts de la cité tout au long de la journée, quand il n'y a pas de guerre, c'est un petit peu chiant. Il y en a 100 qui gardent la commanderie. Il y en a 100 qui gardent la commanderie et qui sont en train d'être formés, grosso modo. Sans recrue, on va dire. Tu constates aussi assez rapidement que les gardes de la ville ne sont pas extrêmement fans des gardes du château. D'accord. Ouais, la force d'élite, voilà, la force d'élite qui garde le château, elle est à part. Elle a des privilèges que les gardes n'ont pas. Elle se la pète beaucoup. Dans les premières choses qu'on t'apprend, c'est si jamais tu croises, on les appelle les aigles noirs, si jamais tu croises un aigle noir, tu lui obéis juste. Voilà, il a toute autorité sur toi, et si jamais vraiment ça t'emmerde, fais en sorte de pas le croiser. Ah, si t'en vois un se pointer et que t'as comme des doutes, change de rue, quoi. Grosso modo.
Voilà, c'est les petits chouchous, ils sont super bien équipés, ils sont soi-disant vachement plus forts, alors que ils se murmurent dans la garde que vous avez des combattants bien plus balèzes. Sur les 1000 hommes que compose la garde, il y a bien plus que sur les la centaine d'hommes qui gardent le château, quoi. D'accord. Mais bon, ils sont mieux payés que vous, évidemment. tu vas toucher une petite solde, l'air de rien. Et tu vois qu'elle est bien pratique, parce que concrètement, tu ne dépenses rien. Ni ouais. pour dormir, ni pour manger, ni pour faire laver tes vêtements. Tu vas vite aussi constater qu'en général, les gens vont bizarrement la dépenser dans tout autant d'endroits où on peut s'éclater. Tu vas avoir une petite frustration qui ne va pas te laisser libre d'apprendre ce que tu veux. C'est il y a des armes dans la garde. D'accord. On manie certaines armes. Et donc forcément, on va t'apprendre à manier certaines armes. Oui, j'imagine. Je sais pas si t'avais prévu d'apprendre à manier l'épée, mais tu vas malheureusement pour toi apprendre à manier l'épée. T'as pas le choix. C'est obligé. Ça fait partie de l'uniforme. Ceci étant, le fait que tu saches manier la lance ne dérange personne, hein, parce que ça fait partie des armes qui sont utilisées. Alors pas pour patrouiller en ville, parce que c'est pas pratique d'avoir une espèce de lance comme ça, mais pour garder les entrées, tu vois, c'est sympa. Quand tu défends les entrées, t'as une petite arme d'ast à la main, c'est très joli. Voilà pour ton compte. Je vais faire apparaître, normalement ça devrait bien se passer, et je vais faire apparaître vos tokens. Vous êtes placés à vos endroits respectifs. Vous faites une belle ligne, en fait. Quelque part. Pas très droite, mais oui. Non, mais vous êtes pas très loin les uns des autres. Je vais, pour terminer, vous brosser, pour ceux à qui je l'ai pas fait, ce que vous savez déjà sur les quartiers qui sont en ville. On va commencer par le nord. Très rapidement, un district, c'est là où on dort, c'est là où on vit. Et un quartier, c'est plus là où on bosse et là où il y a les activités. Ça veut dire que les districts sont très calmes pendant la journée, il n'y a pas grand monde. Au pire, il y aura les familles. Alors que inversement, les quartiers sont très animés la journée et se vident beaucoup pendant la nuit. Le district des pailleurs, c'est là que vivent les fermiers. Qui bossent au nord de la cité, dans les champs, et qui la nourrissent. Agriculteurs, et ils sont là parce que c'est à côté de la porte nord, et que du coup, tôt le matin, ils sortent de la ville et ils se dirigent vers les champs de sauveterre qui sont au nord. Le quartier des Aubaines, qui est juste à gauche, c'est le quartier touristique. C'est là que la plupart des voyageurs viennent faire des affaires, marchander, acheter des trucs. Alors, il y a aussi pas mal d'attrape-nigauds, hein, évidemment. Il y a des marchands de Camelot, en quelque sorte. Ceci dit, c'est sans doute le quartier le plus cosmopolite. C'est là qu'il y a plein de voyageurs, c'est là qu'il y a plein de bardes, de commerçants, de curieux aussi. Il est pas mal famé, mais bon, il y a assez souvent des embrouilles liées au fait qu'il y a plein de gens de plein horizons différents. Si on continue sur la gauche, il y a le district de la Pince. C'est là que vont dormir les gens qui sont juste de passage en ville. Il y a beaucoup de logements, il y a quelques auberges, mais il y a beaucoup pompeusement de maisons d'hôtes, quelque sorte, de dortoirs, de gens qui louent une chambre pour une nuit, deux nuits, trois nuits. On l'appelle le district de la Pince parce que c'est pas cher. Tout y est pas très cher, en fait. Tout y est relativement accessible et d'assez mauvaise qualité. Si je descends, je tombe sur le district des Mashrocks. Les Mashrocks, c'est les mineurs. Ils sont à côté de la porte de Balyoun, la porte ouest.
Et eux, en fait, quand ils se lèvent le matin, et c'est pas pour aller dans les champs, c'est pour aller dans les mines. Vous êtes entouré de montagnes, et il y a tout un tas de mines qui se situent à l'ouest, sur votre gauche. Et c'est là que dorment les mineurs. C'est un quartier assez pauvre. C'est un quartier assez sale aussi. C'est un quartier rempli de gens qui ont toujours des taches de salissures sur eux. Les vêtements sont pas toujours super propres. Les gamins sont pas toujours super propres non plus. Mais c'est un quartier assez convivial. En termes d'ambiance, on va dire. Les gens qui sont là vivent un peu entre eux. Ils font un peu tous le même métier. Ils se mélangent pas trop avec les autres. Ils ont pas beaucoup de sous. Ça vous ferait presque penser au Dan sans le côté fantaisiste en quelque sorte. Juste à côté des Mashrock, il y a les entrepôts qui, comme son nom l'indique, c'est pas un quartier où on vit, c'est pas un quartier où on dort, c'est un quartier où sont entreposées toutes les marchandises d'importance de la capitale. C'est là que les guildes marchandes ont chacune leur stock, c'est là que le château a ses stocks. C'est là que les cargaisons qui sont amenées sur les quais sont convoyées si elles doivent être stockées longtemps. C'est un endroit vraiment crucial et hautement gardé, en fait. C'est pas un coin où on se balade pour flâner, on se fait assez facilement contrôler. En dessous, vous avez le quartier des chutes. Le quartier des chutes, c'est un quartier friqué, assez friqué. C'est un quartier où on héberge les invités de marque. Il y a beaucoup de maisons vides, voilà, il y a beaucoup de résidences secondaires, et quand on reçoit des ambassadeurs, quand on reçoit des sommités, c'est là qu'on les met, c'est à côté du château, donc ils sont pas très loin pour aller voir la personne qui dirige, c'est pas très loin du canal, donc ils peuvent se repartir en bateau s'ils le souhaitent. Voilà, c'est un coin assez, assez huppé, mais très peu habité. Le district des Bruisses, juste à côté, c'est un quartier de petites gens. C'est un quartier de petites gens qui ont des petits métiers, qui gagnent pas forcément bien leur vie, qui sont pas très ambitieux. C'est la basse population quelque part. Mais honnête. C'est la basse population qui travaille. Par opposition au quartier qui est tout au sud, le district des Moites. Le district des Moites, c'est les pauvres qui travaillent pas. C'est les mendiants, c'est les va-nu-pieds, c'est les gens qui crèvent de faim. Vous remarquerez que c'est pas un quartier où on a mis une garnison en plein milieu, par exemple. La garnison, elle est un peu à l'écart, parce que ça sent pas très bon dans le district des Moites. La crasse, il laisse une odeur assez gênante. Si je passe de l'autre côté du canal, donc vous avez les docks, je reviens pas dessus. Vous avez le quartier des temples, qui, comme son nom l'indique, contient tous les temples. À savoir un temple de Médion, un temple de Hof, un temple de Doela, un temple de Balakor et un temple de Tanit. Qui sont tous indiqués par la petite lettre du nom de leur dieu devant. En dessous du quartier des temples, vous avez deux quartiers qui portent presque le même nom. Qui s'appelle les Cagnes. La Cagne Nord et la Cagne Sud, vous remarquerez qu'il n'y a pas de garnison dedans. Et pour cause, ce sont les deux quartiers mal famés de la ville. C'est-à-dire que c'est pas que c'est pauvre, parce que les gens qui sont dedans, certains ont des sous, hein, mais c'est des sous qu'ils ont surtout piqués ailleurs, en fait. C'est vraiment les quartiers avec des bandes, des petites frappes, des rixes, des règlements de compte, du trafic. Voilà. Et du reste, vous l'apprendrez en étant en ville, ce sont deux quartiers qui se font la guerre. C'est-à-dire que les bandes de la Cagne Nord luttent, et luttent physiquement contre les bandes de la Cagne Sud. Et la petite forêt qui les sépare s'appelle pas la tranchée pour rien. Si je remonte au nord, il y a donc le quartier noir dont je vous ai déjà parlé. Le district des Petits Gris. Les Petits Gris, c'est comme ça qu'on appelle en ville les habitants qui ont un métier relativement bien payé. C'est la classe moyenne.
Et alors pourquoi les petits gris? Parce qu'ils sont entre le quartier noir et le carré blanc. Voilà, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Et c'est pareil, c'est un quartier qui se vide tous les matins parce que les gens vont bosser là où ils ont trouvé un travail, quoi, tout simplement. C'est un peu un quartier sans histoire, de jeu, un peu pavillonnaire, vous voyez, de gens qui vivent tranquillement et qui n'aiment pas être dérangés. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils apprécient leur présence à côté du quartier des fers. Quartier des fers où il y a la commanderie. Quartier des fers où il y a les forgerons, les armuriers et les troupes de mercenaires qu'on peut louer. Donc un quartier très orienté, patate dans la gueule et armure qui brille. Le carré blanc, on en a déjà parlé. Le quartier des guildes, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Sachez juste qu'il y a 4 guildes en ville. À Balyoun, il y en avait 2, ici il y en a 4. Qu'elles sont bien plus grosses que les guildes de Balyoun. Il y a 2 guildes qui sont locales. La Bonne Fortune et les Masques Blancs. Ça veut dire que il n'y a qu'un seul siège, on va dire, de la guilde. C'est celui que vous avez là devant vous. Et vous avez la guilde des marchands de la couronne et de l'éclat de cristal. Ce sont des filiales qui sont ici. Ça veut dire que ce sont des guildes qui sont dans plein de villes différentes, dans plein d'endroits du royaume, et qui du coup, c'est un véritable réseau, et qui sont vraiment lourdes. Très très lourdes. Dans le quartier des guildes, bien évidemment, tout un tas de lieux pour accueillir des gens, tout un tas de salles de réunion. Mais bon, il y a aussi des tavernes, il y a aussi des gens qui vivent. Hein. Quand je vous dis que les gens dorment dans les districts, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro habitation dans le quartier des guildes, par exemple. Il y en a juste très peu. Et on termine avec le district des godillots. Les godillots, c'est ceux qui ont trouvé un emploi qui est relativement bien payé, mais bof. La différence entre le district des godillots qui est au nord et le district des comment il s'appelle ce con, des bruisses qui est au sud est pas énorme. Simplement, ceux qui sont au sud bossent au sud, ceux qui sont au nord bossent au nord. Tout simplement. Il fallait un peu deux quartiers moyens pour accueillir la population moyenne. Les allées et venues sont libres. On peut franchir les portes pour entrer et sortir de la ville sans être spécialement contrôlé. Il y a une garnison par endroit qui est un peu, elle a un peu tout pouvoir sur l'endroit en question. Les garnisons sont plus ou moins peuplées. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui ont besoin de beaucoup de protection, où dans la garnison vous allez avoir une centaine d'hommes. Et vous avez des endroits où il y a à peine 20 gardes dans la garnison. C'est pas du tout égal en fait. Il y a des garnisons très très faibles en fait, que limite à 3 vous pourriez arriver à prendre d'assaut et avec une bonne préparation quoi. À côté de ça, il y a des garnisons qui sont lourdement armées. Vous apprenez aussi qu'il y a, et vous l'apprenez parce que c'est placardé sur beaucoup de murs de la ville, il y a actuellement 3 avis de recherche. Contre ce monnaie sonnante et trébuchante. Si vous voulez être chasseur de primes, voilà, il y a 3 avis de recherche. On recherche 2 hommes et une femme. On recherche un homme qui s'appelle L'Épervine. Forcément. Si vous avez envie... Il a un portrait qui lui ressemble. Il a un portrait de mec en cagoule dont on voit le menton et qui se trimballe tout le temps avec un oiseau. D'accord, donc ça pourrait être n'importe quel mec avec un piaf, ok. Si vous voulez vous faire 200 pièces d'argent, voilà. Toute information sur sa capture, voilà. Vous avez une femme qui s'appelle Maav, M-A-A-V. Je vérifie parce que... Ouais, c'est ça, Maav. Hop. Et je vais vous mettre son portrait. Qu'on décrit comme une chef de bande. Comme signe distinctif, elle porte des peintures noires sur le visage. Elle se maquille, en fait. On n'en dit pas plus, sauf que beaucoup de gens en parlent en ville. Donc vous savez de quoi il retourne. Maav, c'est la personne qui dirige la Cagne Nord. C'est la reine des voleurs. Si on devait résumer et faire très schématique, c'est toutes les bandes de la Cagne Nord lui obéissent. Voilà.
Et la Cagne Nord semble très active en matière de méfaits dans la ville. Donc du coup, bah, vu que c'est elle qui est responsable, sa tête est évidemment mise à prix pour 500 pièces d'argent pour l'instant. Et la troisième personne qu'on recherche s'appelle le Corbeau. C'est cadeau. Alors, on sait où le trouver. Vous pouvez vous faire deux pièces d'or. Voilà, ce qu'il est recherché pour des méfaits qui ont l'air visiblement trop longs pour être notés sur la petite feuille de recherche, mais qui comprennent le meurtre. Et alors, il y a un portrait de lui. Il y a un portrait de lui, mais vous avez du mal. C'est un portrait très étrange. Beaucoup de gens parlent de lui en ville, par contre. C'est une célébrité en ville. Lui. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est... encore une fois, je schématise pour faire vite. Hein. C'est Batman. C'est-à-dire qu'il fait, il fait que des trucs dans l'illégalité, mais il se trouve que dans tout ce qu'il a fait, il a quand même rendu pas mal de services à beaucoup de gens. Donc, il est officiellement recherché, mais en fait, il n'y a pas tant de gens que ça qui le détestent. Il est juste bizarre, il est juste louche, en fait. Quand on fait la liste des crimes qu'il a commis, il y a vraiment des trucs... il a vraiment tué des gens. C'est vraiment un assassin. Par contre, à côté de ça, parfois, il a aussi tué des gens. On est bien content qu'il soit mort, quoi. Voilà. Et c'est un peu l'homme mystère, parce que... on ne sait pas qui il est, on ne sait pas où il crèche, on ne sait pas pourquoi il fait ça. On ne sait pas ce qui le motive. On sait qu'il est en ville et pour beaucoup de gens, en fait, il surveille la ville. Il veille sur la ville, en fait. Et des gens trouvent ça chouette qu'il y ait quelqu'un qui est à la limite du super-héros qui veille sur la ville. Donc je me dis, c'est Batman. Voilà, les gens le voient un peu comme ça. Alors, si c'est Batman, ouais. Moi, je voudrais devenir le moineau du Corbeau. Robin. Ben mets des collants devant la cam et on en discute. quand les gens parlent de lui, parce que c'est un sujet de conversation, tu parles, c'est trop mystérieux comme genre de type. Quand les gens parlent de lui, il y a une rumeur qui court. Qu'il y a quelqu'un en ville qui sait, qui doit savoir qui il est, peut-être même où il est, mais qui en tout cas a des moyens de le contacter. Ah ah. Le prêtre de Hof. Ah ah. Parce qu'il est de notoriété publique que une des comment dire, un des traits caractéristiques du Corbeau, c'est que c'est un fidèle de Hof. Il ne laisse pas de doute planer sur le sujet, quoi. Tout le monde le sait, c'est un croyant. C'est un croyant du dieu de la mort, on va dire. Ceci étant, le prêtre qui tient le temple de Hof a toujours démenti. Pouvoir le contacter, savoir qui c'est, ou avoir des informations. Donc, personne ne l'a à ce jour foutu en tôle pour cette rumeur-là. Même si il est peut-être éventuellement surveillé, des fois que ça serait un petit peu véridique. Dernier détail qui concerne le sud-est de la ville, vous devez voir des crânes qui se baladent. Ouais, oui. Catacombes. Voilà, c'est l'entrée des catacombes. Il y a, sous la ville, un réseau de galeries qui s'appelle Funérance. Petit nom qui lui a été donné. Dans lequel la ville enterre ses morts. Donc c'est le cimetière. Donc c'est pas secret, c'est pas interdit, c'est le cimetière, on peut y aller pour aller voir ses morts. Hein. Le truc, c'est que c'est un réseau de galeries qui s'étend très loin, que les morts de la ville sont enterrés assez proche de la surface, en fait, et qu'il y a des rumeurs sur quand on s'aventure trop loin, ça sent le pâté, quoi. Voilà. Il y a des morts, qui ont été enterrés beaucoup plus bas. On sait tous que quand on met plein de morts dans un coin, souvent ça génère des trucs. Bon,
On va dire que les catacombes inférieures, si on devait les appeler comme ça, sont sans doute très mal famées et très dangereuses. Et les catacombes supérieures, elles sont un peu plus propres et entretenues et visitées par des gens qui viennent voir leur mort. Et tous les petits crânes, c'est les différentes entrées qu'on connaît. Ça ressemble à une bouche de métro à Paris. Hein. Tout d'un coup, vous êtes dans une rue et contre un mur, il y a un escalier qui descend dans le noir. Avec un symbole d'oiseau noir dessus, le symbole de Hof. Et vous pouvez emprunter l'escalier, descendre et vous rendre dans les catacombes. Et éventuellement marcher et ressortir par un autre endroit. Quoi. C'est sûrement là-dessous voilà. Qu'on trouvera la Batcave. Ah ben, il y a des chances. Quand même des chances. Et on dit que les catacombes s'enfoncent très très loin à l'est, jusque dans les montagnes. Mais à ce jour, il n'y a pas trop de gens qui partent en balade dans cette direction-là. Quoi. Ah, ne me tentez pas. Je vais aller cartographier cette fois. Donc voilà, à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la ville. Outre ça, sur mes temps libres du coup, ouais. Où je peux vaquer à mes occupations tranquillement. Bon, j'ai deux idées en tête, pardon, je vais prendre la première, c'est que je vais aller dans le quartier noir. Vadrouiller dans les tout ce qu'on peut faire, tu vois, les auberges, les ok, prendre la température, essayer ouais. De voir si c'est pas des choses, tu vois, dans ces trucs là. Ok, j'ai fait apparaître dans les PNJ Grigor Kent, voilà, le maître du guet, le chef de tous les gardes de la ville. Comme ça, ça pose un peu le personnage. Tu l'as pas encore croisé ou tu l'as vu de loin, mais. T'as semblé un peu austère, un peu rigide, pas très convivial, mais en même temps, est-ce vraiment très étonnant. Tu t'aventures dans le quartier noir. Alors ma question serait, de jour ou de nuit ? Les deux, je pense. Un coup de jour, un coup de nuit. Ok, je sais pas trop. Et ma deuxième question serait, sortir, mais... seul ou pas seul ? Bah avec des compagnons de chambre qui voudront bien m'accompagner histoire de, okay, de se fondre donc dans le en bande. Ouais. En bande. Pour créer du lien, sortez... tu vois. Eh mais très très bien, formidable. Vous sortez dans le quartier noir. Il y a une garnison dans le quartier noir et c'est marrant, mais c'est la garnison où beaucoup de jeunes recrues aimeraient bien être affectés après. C'est curieux, mais ça fait partie des jobs les plus sympathiques. Quoique, faut quand même aimer les bagarres de rue et maintenir l'ordre au milieu des fêtes de Bayonne. Tu vois, c'est éventuellement un peu complexe. Il n'y a que deux auberges. Alors, je précise quand même, je différencie auberge et taverne. Ouais. Voilà, il y a plein de tavernes partout. Si vous cherchez une taverne, vous n'avez qu'à vous retourner pour en trouver une. Par contre, il y a peu d'auberges. Et c'est pas un hasard. Les auberges, elles ont des patentes, c'est-à-dire qu'on les autorise à s'installer et on leur dit où s'installer. Donc s'il n'y a pas d'auberge dans le carré blanc, par exemple, c'est parce qu'on n'a pas voulu qu'il y en ait une là. Et vous avez l'impression que le pouvoir en place a essayé de contrôler l'endroit où les gens qui n'étaient pas de la ville pouvaient dormir. Donc on a limité le nombre d'auberges, on les a mis dans des coins très précis. Les deux auberges qui sont là sont hyper connues. Le Chevalier Ivre et l'Impossible. Elles sont hyper connues parce que c'est le refuge absolu des gens trop bourrés pour rentrer chez eux. Voilà, c'est quand t'es vraiment ivre-mort et que t'es au milieu du quartier noir et que t'as limite peur de te faire détrousser ou attaquer ou te perdre en ville ou tomber ou va savoir. Ou qu'on ramasse ton cadavre, on va te jeter dans une de ces deux auberges-là. Qui sont zéro confort. C'est des immenses dortoirs qui puent, mais qui sont à l'abri de la pluie et ce genre de choses-là, et qui sentent beaucoup la vinasse. Mais tous les gens qui ont un peu traîné dans le quartier noir après 4h du matin ont fini là en désespoir de cause pour dormir. Alors, deux jours, le quartier est très calme. Ouais. Les gens se reposent. Deux jours, les gens qui y travaillent se reposent. Vers 19h30, 20h, les commerces ouvrent.
et commerce de tout type. Commerce de personnes, on va dire, pour rester poli. Tripots divers et variés. Il y a des endroits où il y a l'équivalent de combats de rue un peu organisés. Voilà, si on veut... si on veut mesurer sa force ou se faire une petite réputation, il y a une taverne toutes les quatre maisons, à peu près. Des petits restaurants sympas, des petites chambres à louer à l'heure, des femmes assez engageantes. Tout le monde est globalement assez bavard. Ça parle de tout et de rien, ça parle du monde de la nuit, évidemment. Ça parle pas mal des arènes. Donc au sud du quartier noir, il y a un grand bâtiment. Un immense bâtiment qui est même un peu théâtral, un peu m'as-tu vu, un peu trop décoré par rapport à ce qu'il y a autour, mais bon, qui s'appelle les arènes, où se déroulent des combats. Des vrais combats réglementés, avec des récompenses, des vainqueurs. Il y a des tournois. Voilà, c'est vraiment le point d'attraction numéro 1 en termes de distraction dans la ville. C'est les combats d'arène, qui sont quasiment tout le temps à guichet fermé. On y meurt. Et évidemment, de son champion, mondialement connu, Dax. Dax, beaucoup de gens en parlent. C'est la célébrité locale, invaincu, montagne de muscles, combattant émérite, jovial, souriant, très social, très tape dans le dos, très grand sourire. S'il y avait des portables, il ferait des selfies avec les gens, mais il n'y a pas de portable. C'est très fier de... Tu auras l'occasion de le croiser. Hein. Très fier de lui, très fier de sa célébrité. Voilà, les tavernes se battent pour lui offrir à boire, car c'est un des prix qu'il a gagné. C'est que toutes les tavernes sont gratuites pour lui dans la ville et pour ses invités. Et c'est pas rien. Oui, il reste. c'est le champion plus que local, puisque même les gens qui travaillent dans des quartiers très très loin, voilà, les arènes, on y va de temps en temps. Il paraît qu'il y a de très beaux combats. Le tout, bien sûr, sous les auspices de Balakor, bien évidemment. Tu cherches quoi de particulier dans ce quartier ? Savoir ce qui peut se dire à haute voix, tu vois, si jamais on n'entend pas parler de certaines personnalités de la ville un peu trop fort. Ou, tu vois, des conversations de gens qui auraient un peu trop abusé sur la bibine. Alors, tu vas être... Dans un premier temps, globalement assez déçu, parce que les histoires sont pas très intéressantes. Il y a des combats, il y a des rixes, il y a des mecs qui s'en veulent les uns aux autres. Il y a des histoires de vol, il y a des bandes qui viennent de la Cagne pour détrousser dans le quartier noir. Il y a des combats avec la garde, du coup, pour repousser les bandes au sud de la ville. Rien de bien folichon. Par contre, il y a une rumeur. Que tu pourras entendre qui émane de gardes un peu trop bourrés. Quelque part, tu aurais pu l'entendre à la commanderie, sauf que les gardes ne seraient pas bourrés, donc n'en aurait peut-être pas parlé. Mais tu vas pouvoir tomber sur un gradé qui sort avec des amis, qui est relativement éméché un soir, et qui raconte que en dehors de la ville, les remparts sont en train de recruter des malandrins, des va-nu-pieds, des hors-la-loi, pour grossir les rangs de l'armée, pour l'envoyer au nord. Ah. Parce qu'il va y avoir une guerre. Il a entendu dire par son supérieur... la province de Redisham, qui est la province voisine au nord, serait plus ou moins en train d'amasser des troupes
à la frontière. Et comme votre seigneur, quand il est parti faire la guerre avec le roi, il est parti avec une bonne partie de l'armée, il n'est pas parti tout seul, bah, vos effectifs, ils sont pas très glorieux, quoi. Et ce gradé va dire que, à son humble avis de grand tacticien militaire, le seigneur de Reddisham, bah, il compte profiter de la petite taille de votre armée pour grossir son territoire. Et que c'est sans doute pour ça qu'il y a une espèce de recrutement à la va-vite, on prend qui on peut, pour les envoyer se castagner au nord. Ok. Petite news. Je prends. Ok. Je te laisse noter dans ton superbe carnet de notes à plusieurs onglets que le monde nous envie. Pendant ce temps, Madame Plante, Herbe, Arôme et autres délices, que projettes-tu de faire ? Ha ! Nous voilà bien. Mis à part vendre des herbes, quel est ton projet ? Essayer de commencer à prendre des... à connaître un peu les personnes du quartier du temple qui gèrent un peu quel temple, dans quelle mesure. Ok. Et d'en savoir un petit peu plus aussi sur les érudits du coin et s'il y a moyen de se renseigner sur les alchimistes, en s'inscrivant éventuellement à la majora privée s'il faut. Ok. Pour essayer de voir un petit peu qui est qui dans tout ça, quoi. Alors, on va commencer par... qui il y a à la tête des temples. On y est. Nous avons d'abord la grande sagesse du scriptorium de Clifol. Vous pourrez tenter de la séduire si le cœur vous en dit, il n'y a pas de problème. Meredith. Meredith, on la voit pas des masses. Il y a d'autres prêtres au temple qui s'occupent de recueillir les gens. Elle n'est pas d'une sociabilité folle. Ceci dit, tout le monde connaît son histoire, c'est pas un secret. Il y a quelques années, elle était beaucoup plus sympathique, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus prêtresse, on va dire. Et elle était accoquinée avec un alchimiste. Très curieux, envie de tenter plein de trucs, tu vois, envie d'aller cartographier les catacombes, ce genre d'alchimiste-là. Et ils travaillaient ensemble, on ne sait pas s'ils étaient amants, mais en tout cas, ils étaient amis, travaillaient ensemble. Et une des expériences qu'elle a tentées aurait mal tourné. Et lui a volé son charmant visage. Tout le monde le sait, c'est à ce moment-là que elle a complètement tourné kazakh et qu'elle a intégré le fait que être trop curieux, c'est pas bien, c'est même dangereux, et qu'elle est passée de répandons les connaissances à travers le monde à ne donnons les connaissances qu'à ceux qui sont capables de les maîtriser. Donc elle est devenue assez conservatrice. Si ce n'est ce trait de caractère, on pense que c'est sans doute la personne la plus intelligente de la ville. Très certainement. Alors, je précise, s'il le fallait, la majora, c'est elle qui la finance. En grande partie. Elle finance aussi l'autre majora qui est au sud de la ville, la majora publique, qui est gratuite. Parce que quand même, il faut que les gens sachent écrire et lire, c'est quand même un minimum syndical, quoi. On est prêtresse de Doella ou on l'est pas. Ensuite, nous avons Aden Solkar. Aden Solkar est le maître du temple des douleurs, prêtre de Balakor. Aden Solkar, les gens l'aiment bien.
c'est un ami de Dax, hein, si vous en doutiez. C'est lui qui supervise et finance les arènes. C'est lui qui arbitre les combats. Il est certes prêtre, mais son temple sert aussi d'école. Ça veut dire que si tu as les moyens, tu peux venir dans le temple des douleurs pour prendre des cours. Et il t'apprendra à te battre. En gros. Ouais, c'est plutôt une information que je refilerai à mes camarades. Hein. Moi, m'inscrire au temple des douleurs, bof. Hein. Au pied du temple, il y a une cour assez célèbre qui s'appelle la cour du sel, qui porte ce nom à cause de la sueur des gens qui s'y entraînent. Une réputation d'être violent, strict, mais pas brutal. Je sais pas si tu vois la différence, mais pas de violence gratuite. Voilà. Mais bon, quand tu le cherches, effectivement, tu le trouves. Il vient des provinces du sud aussi. Tout comme Marmanus. Pas du même endroit, mais c'est pas un originaire de la ville. Nous avons... Je dis rien, je le montre juste. Je vous laisse deviner de quelle divinité il s'occupe. Nous avons le passeur Grémory du temple de Hof. Victor Grémory. Très discret, notoirement discret, mais en même temps, me diras-tu, comme beaucoup de passeurs que vous avez croisés, hein, quelque part. Il s'occupe de son temple et il s'occupe aussi de l'entretien des catacombes. C'est-à-dire que Funérance, c'est de sa responsabilité. Donc le fait qu'elle soit fréquentable et qu'on n'y fasse pas n'importe quoi, ça lui incombe un peu. Mis à part ça, comme tout bon prêtre de Hof, il ne s'occupe pas trop des vivants. Plus des morts. Et nous avons pour terminer l'Horace Malfait, prêtre de Tanit. Donc son titre c'est recteur, puisqu'il dirige un temple. Donc recteur du temple des corvées. Qui est un type qui est pas très aimé, psychorigide, qui a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Ce qui l'a rendu un poil parano, parce qu'au bout d'un moment, tu finis par te dire que quelqu'un t'en veut, forcément. Mais qui est toujours là, qui a souffert physiquement de certaines de ses tentatives, notamment d'empoisonnement. Qui donc se laisse pas des masses approcher, mais qui pour autant continue son travail de recteur et de prêtre de Tanit. C'est-à-dire que lui sont dévolues les actions de justice, par exemple. C'est lui qui rend la justice au nom du seigneur et du régent. On peut venir le voir pour n'importe quel acte légal, pour consulter des lois, ou pour avoir un avis sur un contrat, ou une entreprise, voilà. Il continue son office de tout prêtre de Tanit, digne de ce nom, sauf qu'il est juste un poil parano sur les gens qui viennent le voir. Voilà les quatre prêtres, grands prêtres qui vivent ici et qui sont tous entourés de petits prêtres. Il n'y a pas que eux, bien évidemment. Ouais, essayer de se renseigner un petit peu sur les alchimistes qui sont un peu connus en ville. Alors, dans le cadre du lien, peut-être qu'il pourrait y avoir des commandes particulières ou des choses comme ça. Quoi, en faisant, Le plus connu. En faisant mine. Le plus connu s'appelle Mortimer Eisen. Pourquoi il est le plus connu? Parce qu'on dit qu'il est extrêmement doué. Et on dit que c'est à cause de lui que la prêtresse de Doella est défigurée. Mais autant elle s'est calmée, un bon coup. Alors, il ne se parle plus, bien évidemment. Autant elle s'est calmée, autant il paraît que lui, non. Lui, c'est scientifique forever. Recherche de connaissances, curiosité, expérience, diverses et variées. S'il n'aurait pas des choses à dire sur d'éventuels concurrents ou concurrentes.
Bah tu l'abordes ou pas? Il va bien falloir. mais quelle motivation! retenez-la. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il a copiné avec quelqu'un, il l'a défiguré. Moyen chaud. Hein. Tu te rends dans son échoppe, qui est une belle échoppe. C'est évidemment un alchimiste de renom, donc il doit faire son beurre. Hein. Oh mon dieu, mon token s'est déplacé. Bah oui, tu t'es rendu. tu te rends dans son échoppe. Ça marche en plus, c'est fou. C'est fou. Le monde est bien fait. Le comptoir, les rayonnages, les étagères sont en bois de bonne qualité, bien ciré. Y a des vitrines en verre avec des serrures pour les fermer. Les pots sont bien étiquetés, sont des jolis pots bien sculptés. Franchement, c'est une superbe échoppe. Il y a deux apprentis qui sont en train de travailler à broyer des trucs divers et variés avec leur petit tablier. Et en train de les surveiller, il y a donc ce monsieur, que je ne te décrirai pas puisque tu l'as sous les yeux, qui surveille leur travail, les mains dans le dos, vêtu assez richement, très de beaux vêtements. Alors pas, ça brille pas dans tous les sens, mais... voilà, bonne manufacture, bon tissu, bonne coupe, très élégant, quoi. Qui surveillent leur travail, et quand tu rentres et que la petite cloche de la porte tinte, il lève son regard, pose une main sur l'épaule de l'apprenti pour lui signifier d'arrêter, puisqu'il va, il va faire autre chose, et s'approche de toi, toujours les mains dans le dos, en te gratifiant un sympathique sourire. Mademoiselle. Monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Oui. Alors, je viens d'arriver en ville et actuellement j'essaye de proposer mes services en tant que récupératrice d'herbes et composants divers et variés pour la chimie et l'herboristerie. Je sais pas si vous seriez intéressé, peut-être ? Il pousse un soupir de déception. Moi aussi. Bon. Son sourire descend et il te lâche un ah oui beaucoup moins affable, tu vois, genre ah c'est pas une cliente quoi, beaucoup moins affable. J'aimerais être riche moi aussi. Il passe derrière son comptoir. Tu lui dis ça? Non. Non. Alors, fais attention à ce que tu dis parce que au bout d'un moment mes PNJ vont réagir à tes conneries. Hein. il passe derrière le comptoir. Quelles sont vos qualifications? Que savez-vous faire? Lui explique. Je sais pas, j'ai pas de liste là en tête, mais elle lui explique un peu en gros tout ce qu'elle sait faire au niveau alchimie, herboristerie. Lui montre éventuellement ce qu'elle a déjà sur elle comme herbe et compagnie qu'elle a pu trouver. Mmh. Il va te montrer, il va te sortir des matériaux qu'il a à côté de lui, te les poser devant en te demandant ton avis sur tel minerai, telle poudre, pour voir à peu près, évaluer si tu connais quelque chose ou si tu connais absolument rien. Alors, le fait est que voilà, il y a des choses qu'il te pose devant, tu n'as aucune idée de ce que c'est, très clairement. Après, il y a des choses, oui, tu sais parfaitement ce que c'est et tu es capable de lui expliquer. Il jauge à peu près ton niveau de connaissance, tout simplement. Normal. D'accord. Écoutez, je dis pas non. Si je peux me permettre d'être un petit peu curieux, c'est une seconde nature chez moi. Mais pourquoi vous êtes venu en ville? Pour en apprendre plus. Ah, vous venez d'où? Un petit village plus à l'ouest, très limité. Village. Il se met à réfléchir. Village à l'ouest. Balioun. Ouais. Oh, c'est quand même une ville, Balioun. Non, mais pratiquement personne connaît. Parce que je cherche pas village à l'ouest. Il y en a qu'un. Hein. Je vous rappelle que vous n'êtes pas dans une province où il y a des petits villages partout. Donc... Ah, d'accord. Il continue à réfléchir.
Si, si, il y a un petit truc. Ah, j'ai pas de carte au bord de la mer. elle coule. Je me noie. Et là, la porte s'ouvre, il y a un javelot qui jaillit de la rue, qui se plante dans son cul. Ah bah oui, mais... C'est bien, hein. Yoon, c'est pas mal, hein. C'est suffisamment grand. Attends, mais j'ai plus les cartes sous les mains, j'ai plus les noms. Balyun ou Ament, t'as le choix. Il y a rien d'autre. Bah, Balyun, c'est oh bien, non, tu connais, et c'est pas Ament, en... donc voilà. En prenant un air vraiment, vraiment ennuyé, elle va avouer qu'elle vient de là d'où elle vient réellement, mais pas à Ment. D'accord, ok. Oh, et elle explique qu'elle est pas très très... Elle aime pas en faire part parce que la plupart des gens la considèrent a priori comme barbare quand elle annonce qu'elle vient de là, et ça la lourde. Il met un doigt sur sa bouche, te dit « Je comprends, ne vous inquiétez pas. » et vous allez rester, du coup. C'est bien ça l'idée. Ah, j'aimerais rester le temps d'en apprendre plus. Et de faire évoluer mes connaissances. Bon. C'est toujours intéressant de faire évoluer ses connaissances. Là, je vous rejoins. Alors, je vous cache pas que je vais pas non plus vous demander la lune. Il vaut mieux. C'est un peu loin. Voilà. Je veux aussi des résultats. Mais disons que si les résultats sont probants, si la marchandise que vous me ramenez est satisfaisante, on pourrait envisager de faire en sorte que vous soyez capable de me ramener des choses un peu plus compliquées. Et plus chères, forcément. Eh bien, écoutez, histoire de faire connaissance, je ne sais pas si vous êtes au courant parce que vous n'êtes pas de la ville, mais il y a des mines à l'ouest. J'en ai un peu entendu parler depuis que je suis là. Oui. Voilà. Beaucoup de gens y travaillent pour extraire des minerais. Très bien. Tant mieux pour eux. Ceci dit, à mesure qu'ils creusent, ils mettent à jour différentes sources de matière, dont certaines pourraient m'intéresser, mais qui ne sont pas exploitées et qui sont rejetées, je veux dire. Et j'ai employé quelques personnes pour aller faire un tour dans les carrières et dans les mines, et évaluer un petit peu. Vous savez, ce serait quand même malheureux que tous ces gens creusent, trouvent leur minerai, et laissent de côté des filons nettement plus rentables. Je sais bien que ça n'est pas très glorieux, mais si vous voulez commencer, ça me permettra de vous évaluer. Parfait. Je cherche pas la gloire, de toute manière. Vous savez, la gloire, elle vient toute seule, hein, qui le mérite. Alors, je n'attends pas de cargaison particulière de votre part, hein, ramassez ce que vous y trouverez, on verra bien ce que vous considérez comme de valeur ou pas. Repérez bien les endroits où vous les trouvez, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et mettez des vêtements salissants, parce que... les mines... Oui. Voilà, vous n'allez pas revenir toute blanche. Vous appelez comment ? Anna. Eh bien, enchantée, Anna. Vous savez comment je m'appelle, je suppose ? C'est marqué sur la boutique, non ? C'est marqué sur la boutique. Disons que vous pouvez m'appeler Monsieur Eisen, et quand nous nous connaîtrons mieux, vous m'appellerez Mortimer. Monsieur Eisen, parfait. Bien. Et tout ça reste entre nous. Évidemment. Parfait, parfait, parfait. Eh bien, au plaisir de vous revoir les mains pleines, alors. De même. Bonne journée, Anna. Yay. C'est le moment de tourner les talons et de sortir et de se dire « Merde, les mines, super !» On fait tourner la roue. Alors, William, what else ? What else ? William va s'intéresser à Victor Grémory. Il va s'intéresser à Victor Grémory sous prétexte que
des expériences passées l'ont rapproché de la croyance de Hoff et qu'il voudrait plus d'informations à ce sujet, des livres peut-être, s'il en avait à conseiller. Et le but serait, j'hésite. Je vais lui dire que j'ai déjà été visité par une créature de Hoff. Et que ça m'a profondément marqué. Alors, c'est ce dernier sujet qui fera que c'est lui que tu vas rencontrer et pas un prêtre lambda. Ouais. Déjà. Il va te recevoir dans un salon. Lugubre à souhait. Tu te demandes même si c'est pas le salon où ils font les cérémonies d'enterrement, parce que tenture noire, candélabre, en face, pas de fenêtre, super quoi. Éclairé à la bougie. Plutôt un homme plutôt agréable physiquement, plutôt sympathique, voire même souriant. C'est plus ses yeux qui te dérangent, parce que ses yeux sont un peu glaçants, un peu fixes, un peu immobiles. Ils mettent un peu mal à l'aise. Mais il te reçoit. Votre histoire est intéressante. Intéressante et... Vous viviez... Inquiétante. Ailleurs. Je ne tiens pas trop pour l'instant à donner des précisions à ce niveau-là. Un ailleurs où il n'y a pas de passeur ? En tout cas, je n'ai pas eu d'informations suffisamment précises jusqu'à présent. J'espérais que vous pourriez m'en donner plus. Il est dommage que vous n'ayez pas eu à portée de main quelqu'un qui a eu des connaissances telles que je puis en avoir. Et c'est pour ça que vous êtes venu à Cliffhall, pour rencontrer quelqu'un de ma sorte ? Pas spécialement, j'étais venu pour faire ma vie. Et quoi de mieux que la capitale pour avoir sa chance et en plus obtenir des informations. Bien, c'est une idée comme une autre, ni bonne ni mauvaise. En tout cas, vous m'avez trouvé, ce qui est plutôt positif. Parlez-moi de cette créature. À quoi ressemblait-elle ? Une sorte... d'esprit éthéré, en même temps beaucoup de colère. Moi-même j'étais tétanisé. Un message bien mystérieux. Mais j'ai été perturbé. Je ne physiquement, de quoi avait-elle l'air ? Donc je lui décris ce que j'ai vu, quoi. En haut du phare. Je ne dis pas que c'était en haut du phare, bien sûr. En haut d'un truc, en haut d'une tour qui sert à éclairer les bateaux. Non, je lui décris juste la créature, quoi, la vision, en disant que ouais, c'était avec à moitié le visage de ma mère en même temps, etc. Vous avez croisé une Erinie. Mais c'est pas courant. C'est donc comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, visiblement. Mais c'est pas courant et ça n'est jamais bon signe. C'était-il il y a longtemps ? Ça dépend ce qu'on appelle longtemps. Les Irini sont des esprits qui poursuivent des gens. Et qui ne les lâchent pas. Ce sont des esprits vengeurs. La seule chose qui peut les pousser à lâcher leur proie, c'est que celle-ci arrive à s'échapper suffisamment longtemps. Donc le temps a une importance. Ne serait-ce que pour savoir si elle est toujours à votre trousse ou pas. Ça ne fait pas si longtemps que ça, je suis encore jeune. Et ça fait un certain moment que vous n'avez plus de nouvelles ? Oui, je n'en ai pas eu depuis.
C'est étrange, ça n'est pas le comportement classique de ce genre d'esprit. Je dois bien vous l'avouer. Mais considérez-vous comme une personne chanceuse dans ce cas. La plupart des Erini finissent par rendre fou la personne qu'elles poursuivent. Je ne pense pas que vous la reverrez. Si c'est cela qui vous inquiète, je ne saisis pas bien les tenants et les aboutissants qui font que vous avez été la cible. En général, les Erini se vengent de personnes ayant fait souffrir d'autres personnes. Et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas pour vous. C'est ça qui est un peu curieux. Peut-être n'étais-je qu'un messager. C'est possible. C'est parfaitement possible. Auquel cas, sans doute, avez-vous délivré ce message à qui il fallait, puisque vous voilà tranquille. Mais rentrez chez vous en paix. Hein. Je ne pense pas que vous la reverrez de sitôt. Et si vous la reverrez, revenez me voir. Et c'est aussi pour ça que je venais vous voir, parce que depuis, j'ai eu plusieurs événements dans ma vie qui m'ont rapproché de personnes liées à Off. Et pour le coup, j'aimerais en savoir plus. Je m'intéresse à Off et tout ce qui le concerne. Je serais bien mal placé pour vous dire que ce n'est pas bienvenu. Nous sommes toujours ravis de voir des gens s'intéresser à nous. Je voudrais simplement vous mettre en garde. Plus on s'intéresse à Off, plus on est à même de découvrir des vérités. Des vérités sur ce monde, des vérités sur la mort. Et des vérités qui sont parfois compliquées à assimiler. Dérangeante. Vous n'avez peut-être pas croisé beaucoup de prêtres de Off dans votre vie, mais vous verrez qu'il y a une certaine partie de ces prêtres qui semblent atteints de certains problèmes comportementaux. Ah. Oui, au risque de vous surprendre, étudier la mort et y être confronté quotidiennement. Ça n'est normalement pas fait pour les vivants. Et ceux qui essayent se découvrent parfois trop faibles pour arriver à le supporter. Un de nos principes, c'est de nous divulguer le savoir que quand nous pensons que les gens qui sont en face de nous sont capables de les écouter. Et de les garder pour nous s'ils ne sont pas capables de les écouter. Même au cours de sa formation, un prêtre de Off ne sait pas tout. Il sait ce que son mentor pense qu'il est capable de comprendre et de vivre avec. Car une fois qu'on découvre ses vérités, il faut vivre avec. Et l'esprit humain est fait de telle façon que parfois, la solution pour vivre avec, c'est de sombrer dans une forme de folie, plus ou moins douce. Si vous vous intéressez à mon clergé, pour de vrai, je veux dire, c'est ça qui vous attend. Non pas que... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas à coup sûr, mais beaucoup de gens succombent à ce qu'ils trouvent. Et il n'est pas impossible non plus que, au cours de vos recherches, des gens comme moi vous disent « ça n'est pas pour vous ». Ça ne sera pas qu'ils veulent vous cacher des choses, ça sera qu'ils pensent que vous ne pourrez pas les supporter. J'ai déjà vu pas mal de choses, malgré mon jeune nombre d'années. Mais peut-être que cette voie est faite pour vous. Regardez, est-ce que j'ai l'air fou ? Non. Eh bien, sans doute cette voix était faite pour moi. Mais qui te calme. C'est parce que j'ai trouvé la voix, tout simplement.
Et il y a des centaines, il y a des centaines de près de Hof qui le vivent très bien. Et il y a aussi des centaines de près de Hof qui l'ont mal vécu. Si un jour vous allez à Balioun, par exemple, vous verrez que le passeur de là-bas est loin d'être aussi équilibré que je puis l'être. Je lui transmettrai l'information. Oh mais elle le sait. Elle le sait. Vous savez, pour ces gens-là, se mettre à avoir des conceptions différentes de la vie et de la réalité, c'est un moyen de défense pour ne pas céder. C'est une façon de s'adapter à une réalité. La prêtresse de Hof qui officie à Balioun est une bonne prêtresse. Et elle comprend très bien les préceptes. Mais il a fallu que son esprit trouve un moyen de vivre avec. Elle est donc devenue ce qu'elle est devenue. Mais si ça peut vous rassurer, les plus grands prêtres de Hof sont parfaitement sains d'esprit. On ne monte pas dans la hiérarchie quand on n'est pas capable. Toujours tenté ? Oui. Bien. Je cherche des gens. Peut-être des gens comme vous. Ça dépend de à quel point vous voulez aider le temple. J'engage des personnes pour m'aider à protéger Funirance. C'est risqué. Ça m'intéresse. C'est sous la terre. C'est potentiellement dangereux, mais vous ne serez pas seul, bien sûr. C'est assez bien payé. Je suis preneur. Bien. Quelles sont vos compétences ? Vous savez vous tenir une arme à la main ? Vous... Comment vous débrouillez-vous ? Je sais me battre. Bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a quelque chose dans les catacombes. Quelque chose qui, je pense, ne devrait pas y être. Je ne sais pas quoi. Je cherche à le découvrir. Et j'y emploie une bonne partie des ressources qui me sont allouées par le château pour ce faire. D'autres gens que vous y sont déjà descendus. Une bonne partie est remontée. Mais je ne vous cache pas qu'il y a des gens qui ne sont pas revenus. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de raisons pour lesquelles ils auraient pu ne pas revenir. Je ne sais pas si c'est des raisons logiques ou si c'est des raisons que j'ignore. Il y a des morts enterrés sous Funérance, dont certains qui sont hors de mon contrôle. Si vous descendez trop bas, je ne sais pas bien sur quoi vous allez tomber. Et en général, personne ne descend trop bas. Et les gens que j'ai envoyés avaient pour ordre de ne pas descendre trop bas. Et je serais infichu de vous dire si ceux qui ne sont pas revenus sont descendus trop bas ou pas. S'ils sont descendus trop bas, ça ne me surprend pas qu'ils ne soient pas revenus. Mais s'ils sont restés dans la zone protégée et qu'ils ne sont pas revenus, c'est que quelque chose les a chopés. Aussi, je n'envoie pas des gens pour combattre, j'envoie des gens dans un premier temps pour découvrir ce qui se passe dedans. Quotidiennement, des habitants de cette ville descendent dans les catacombes pour honorer leurs morts. Je suis garant de leur sécurité. Or, si on en croit les rapports de la garnison, il prend un bout de papier qu'il te met sous les yeux. Nous avons déjà 6 disparitions en ville. 6 disparitions sur combien de temps ? 2 semaines. Ah oui, quand même. C'est beaucoup. Ce sont des gens de peu, ce sont des gens qui ne sont pas spécialement remarquables, mais ce sont des gens qui sont descendus dans les catacombes. Qui, a priori, sont hors de tout danger.
vous intéresser. Je peux voir ça pour vous. Les morts se reposent dans la zone protégée. Ils ne peuvent pas s'éveiller. Ils ne s'éveilleront pas. N'ayez pas peur de croiser ce genre de créature. Sauf si quelqu'un les réveille. S'il y a dans les catacombes quelqu'un qui s'amuse à faire ça, trouvez-le. Identifiez-le. Si vous pensez pouvoir résoudre le problème, résolvez-le. Il n'est pas censé y avoir de gens qui vivent en dessous. Il n'y a que des gens qui passent. Vous croiserez bien évidemment, malheureusement pour moi, dans les catacombes, des bandes issues des cagnes. Elles utilisent le réseau pour se déplacer. Voilà, ça c'est évident. Mais je suis à peu près sûr qu'ils ne sont pas... Enfin, disons que vu qu'ils empruntent les tunnels, il y a belle lurette que nous avons conclu des accords. Et s'ils utilisent les catacombes pour se déplacer ou s'affronter, ils ne dérangent pas les morts, ni les gens qui les visitent. Donc je ne pense pas que les 6 disparitions soient de leur fait. Vous n'avez pas de calendrier, vous n'avez pas de date limite, vous n'avez pas d'obligation. Revenez me voir quand vous en saurez plus, ou quand vous jetterez l'éponge. Je vous rayerai de la liste. D'ici là, je vais donner votre nom aux autorités. Leur faire savoir que vous travaillez pour moi, des fois qu'ils vous croisent en dessous. Vous vous appelez ? Rob. Vous avez un nom de famille ? Si tu me dis Stark, je te tape. Hein. Bien, Rob. C'est noté. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous ? Oui. Est-ce que vous auriez un livre avec les préceptes de Hoff que je pourrais vous emprunter, peut-être ? Oui, oui, il existe ce genre d'ouvrage. Je vous avoue qu'ils ne sont pas très complets. Ils n'abordent pas la nature profonde des choses parce que celle-ci n'est pas du genre à être consignable dans les livres. Celle-ci se raconte. Nous sommes de tradition très orale parce que nous devons choisir qui reçoit le savoir. Mais si vous cherchez des généralités, je peux vous en trouver, ce n'est pas un problème. Il y a un sujet plus particulier qui vous intéresserait ? Eh bien, évidemment, tout ce qui peut avoir attrait aux serviteurs de Hoff et ce qui les pousse à communiquer avec les gens. En général, ce qui vous est arrivé n'arrive pas. On ne revient pas des limbes. Les limbes, c'est un terminal. C'est un lieu où l'on réside, où l'on repose. Il n'y a que 2 possibilités pour croiser ce genre d'événement. La première, c'est qu'un serviteur de Hoff décide d'envoyer un messager. Donc il autorise la sortie de quelque chose. La deuxième, c'est qu'un mortel convoque cette chose, l'appelle depuis les limbes, contre son gré. Le premier cas, je peux vous trouver des ouvrages. Le second cas, ça s'appelle de la nécromancie. Et il faudrait plus aller voir un sorcier. Nous n'apprécions pas la nécromancie. J'ai cru comprendre. Il te confiera les 20 questions pour les nuls sur le clergé de Hoff. Il faut bien commencer. Te dit que voilà, ne sois pas pressé de le lui rendre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'urgence. Et te ramènera éventuellement à la porte. La porte du temple de Hoff, il n'a pas de nom particulier. Temple de Hoff, j'ai marqué Funérance, mais c'est le nom de la,
les catacombes. William, donc tu rentres au quai de manière assez classique. Le lendemain matin, tu as ta journée de travail qui t'attend. Et tu as un bateau en particulier à décharger. Si j'ai bien fait mon taf, que je prends mon livre dans le bon sens. Ce bateau a même un nom. Est-ce qu'il a bien fait son taf ? Ou pas, il a peut-être super mal fait son taf. Hein. Ouais, il a mal fait son taf, il a pas donné de nom au bateau, c'est super. Voilà, donc on va l'appeler le sans nom. Voilà, c'est un joli nom pour un bateau, le sans nom. L'anonyme. Voilà, donc tu as un manifeste, les hommes qui travaillent pour toi, tu les mettrais pas dans la catégorie homme de confiance. Mmh. Tu viens de débarquer, ils se méfient un peu, t'es un peu jeune. Ouais. Ils parlent pas beaucoup du mec qui est mort non plus. Déchargent ce qu'ils ont à décharger et au bout d'un moment, il y en a un qui s'approche de toi, il enlève son bonnet qui triture un peu entre ses mains et il le met dans son dos et il te dit chef, on fait quoi avec les caisses? Les caisses, quelles caisses? Bah, il te désigne du doigt quatre caisses qui sont encore sur les quais et tu regardes, elles sont pas sur le manifeste. Ah, je vais aller voir ça. Il te suit, tu trouves, avec un peu d'insistance. C'est-à-dire qu'il trottine à côté de toi. Mmh. On fait comme d'habitude. Est-ce que je sais ce que ça veut dire comme d'habitude? Non, absolument non. Pas. Et c'est comment d'habitude? On les met dans l'entrepôt 6. Il déglutit. Et il y en a beaucoup des caisses dans l'entrepôt 6? Non. Non, c'est bon, elles sont parties. Et elles partent comment, les caisses de l'entrepôt 6? Il fait un pas en arrière. Ça, je sais pas. Moi, je les porte, hein. Je suis docker. Il essaye de lire dans tes yeux pour voir si tu sais ou si tu sais pas. En gros, quoi. Mais comme il est pas très doué, voilà, ça se voit un peu sur sa gueule qu'il essaye de décrypter si tu comprends ou tu comprends pas. Très bien. Plus il doute, mieux je me porte. Est-ce que ces caisses ont quelque chose de particulier? Si je les observe, est-ce que j'ai quelqu'un dit ce que ce soit? Ce sont des caisses rectangulaires, assez longues. Il y en a quatre, elles sont identiques. Elles sont posées pour l'instant. Elles doivent faire peut-être... elles doivent être 2 mètres de long. 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Ça fait un peu cercueil, le bestiau. C'est la taille parfaite pour mettre des cadavres. C'est cool. Est-ce que cette caisse peut être ouverte sans la défoncer? Il faut un pied de biche, il faut enlever les clous. Non, d'accord, mais les clous, ça se remet. Mm-hmm. Mais à part ça, rien de... Non, non, à part ça, non. Non, non, absolument pas. Bon, je vais commencer par voir... Est-ce que Marmanus est par là? Tu le cherches du regard, tu le vois plus loin, sur les quais, en train de parler à un autre contremaître. Ouais. Je dis au gars, touchez à rien, je reviens. Et je vais voir Marmanus. Quand tu dis ça, tu le vois échanger un regard assez lourd avec tous les hommes de ton équipe. Tu marches vers Marmanus. Lance-moi un D20 sous ta volonté. Fais un tout petit chiffre.
ça va. En plus, le chiffre tombe très bien. L'entrepôt 6, c'est l'entrepôt derrière lequel ton prédécesseur était trouvé mort. D'accord. Petit rappel, ton prédécesseur a été trouvé mort. Tu arrives devant Marmanus, qui termine ce qu'il a à faire avec le gars, et il se tourne vers toi. Oui. J'avais une question à te poser par rapport aux quêtes en trop et à l'entrepôt 6. Comment ça, des caisses en trop? Les caisses qui sont là, il y en a 4. Ah, ce qui n'est pas sur le manifeste ne rentre pas dans la ville. C'est clair. Tu dois mettre sur le bateau. Et on me dit que l'habitude, c'est de les mettre dans l'entrepôt 6. Comment ça, d'habitude? Il se met en marche en direction de ton équipe. Il arrive devant eux et commence un tonitruant « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Personne répond trop, tout le monde baisse les yeux. Y a quoi dans ces caisses? Personne répond. Elles viennent d'où? Tout le monde regarde le bateau. Et d'habitude, vous en faites quoi? Tout le monde regarde l'entrepôt 6. Et Mary qui était au courant. Tout le monde fait oui de la tête. Ouvrez-les. Un des dockers s'assoit sur la caisse, presque précipitamment, en faisant un espèce de nom de la tête. Vaudrait mieux pas. Vaudrait mieux pas. Je voudrais bien voir ça, dit Marmanus en attrapant le pied de biche. Il pousse le gars qui valse de dessus la caisse, qui tombe par terre, et qui, en se relevant, arrive à articuler « C'est pour ça que Merrick est mort. » En espérant sans doute que ça va retenir Marmanus. Comment ça, c'est pour ça? Il a ouvert. Il voulait voir. Et le lendemain, ils l'ont tué. Qui l'ont tué? Ceux qui prennent les caisses? Qui? Je sais pas. Ceux qui prennent les caisses. Si j'étais vous, j'ouvrirais pas. Marmanus enfonce le pied de biche sous le couvercle. Les dockers tremblent en regardant fixement la caisse. Il y en a même certains qui ferment les yeux en mode « j'ai pas vu, donc je vais pas mourir ». C'est un peu ça l'idée. Et toi, est-ce que tu fermes les yeux? On va dire que je ne regarde pas, parce que Marmanus va regarder. Voilà. D'accord, donc tu tournes la tête sur le côté. Marmanus défait le haut de la caisse, la soulève, et tu entends juste « bordel de merde ». C'est intriguant, bordel de merde. Ça va, toujours rien. Toujours rien. Et je lui demande, y a quoi? Il répond pas. Bon. Tu l'entends se pencher. Tu le vois, vu qu'il est à côté de toi, tu le vois descendre et se pencher sur la caisse. Et il finit par dire, merde, il est en vie. Ah, j'avais dit que c'était à bonne taille. J'avais dit que c'est la bonne taille. Il te tire par la manche et te dit « va chercher la garde ». Tu te tournes, tu regardes, il y a un dan allongé. Décidément, le trafic de dan, c'est fou ça. Et donc, il t'a demandé d'aller chercher la garde. Yep. Et pendant que tu t'éloignes, il ordonne à tes hommes de déclouer les autres caisses. Et quand tu reviens avec la garde de la garnison des docks, les 4 caisses sont ouvertes, il y a 4 personnes dans les caisses. Étonnant. Mais un seul dan. Ah, et les 3 autres, c'est pas des dan.
Non, il y a deux femmes et un homme dans les trois autres caisses. Difficile de dire grand chose sur eux, les gens du commun. Pas de particularité physique. Des vêtements normaux. Marmanus dit aux sergents de la garnison qu'ils sont en vie. Ils dorment, mais ils respirent. C'est pas des morts. Eh ben. Et cette petite cargaison va gentiment être amenée, alors pour l'instant à la garnison. Le sergent va demander à un de ses hommes d'aller immédiatement chercher. Quel temple ? Off. Donc d'aller chercher le passeur. En disant qu'il y a des personnes qui ont besoin de son aide. C'est pas quoi dire de plus sur le sujet. Qui en tout cas, même quand on les secoue, ne se réveille pas. Fin. Voilà, nous libérons l'aide à temps. Ah, oh là là. Va pouvoir aller boire et chanter. Non. Si, on te voit, tu bois et tu chantes. On le sait, on a des photos.